Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. C'est pour cela que je le dis. Remember that Jesus spoke to his disciples. Souvenez-vous que Jésus-Christ a parlé à ses disciples. That the words that I speak to you, les paroles que je vous annonce, are spirit and life, sont esprit et vie. Receive your portion tonight. Reçois ta portion ce soir. Amen. Now we are seeing tonight that the anointing of the Father will take you to the next level. Ce soir, nous voyons que l'onction du Père t'amènera au prochain niveau. Why? Because we are going from glory to glory. Pourquoi? Parce que nous allons de gloire en gloire. And the anointing that is coming from the Father will propel you. Et l'onction qui vient du Père va te propulser to your next level. Vers ton prochain niveau. We have seen yesterday. Hier, nous avions vu that everyone has a canon to possess. Que chaque personne a un canon à posséder. Every child of God. Chaque enfant de Dieu has a promised land. A une terre promise to possess. À posséder. No one. Personne is just going to turn around, going nowhere. Ne va tourner en rond ni ira en allant nulle part. As a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, every one of us has a canon to possess. Chacun d'entre nous a un canon à posséder. We've seen that yesterday. Nous l'avons vu hier soir. And we have seen that your situation is not your destination. Et nous avons vu que ta situation n'est pas ta destination. You are in a situation right now. Tu es dans une situation maintenant. But that is not your destination. Mais ta situation n'est pas ta destination. Exactly as the children of Israel. Comme les enfants d'Israël. Egypt was not their destination. L'Égypte n'était pas leur destination. Even when they left the land of Egypt, même quand ils ont quitté le pays d'Égypte, they found themselves in the wilderness. Ils se sont retrouvés dans le désert. But the wilderness was not their destination. Mais le désert n'était pas leur destination. Destination was Canaan. La destination c'était Canaan. Now you and me, alors vous et moi, redeemed by the blood of the Lamb, rachetés par le sang de Jésus, we've been taken from the kingdom of darkness into the kingdom of God. Arraché du royaume des ténèbres pour être placé dans le royaume de Dieu. God took us from somewhere. Dieu nous a pris de quelque part. And he's taking you and me where he wants us to be. Il nous emmène là où il nous veut. And where we are going is better than where we are now. Et là où nous allons, c'est mieux que là où nous sommes maintenant. And there's nothing better than where we are going than what is behind. Il n'y a rien qui dépasse là où nous allons parmi les choses qui sont derrière nous. Whatever is behind, tout ce qui est derrière nous, is less than where we are going. Est inférieur à là où nous nous rendons. Where God is taking us, là où Dieu nous amène, is bigger, c'est plus grand, and better, c'est mieux, than where we are coming from. Que là d'où nous venons. Everyone has a canon to possess. Chaque personne a un canon à posséder. Now we've seen that on our way from our situation to our destination, we will meet oppositions.
Et sur notre chemin qui tend de notre destination, de notre situation à notre destination, nous rencontrerons de l'opposition. And extraordinary oppositions. Une opposition extraordinaire. Extraordinary challenges. Des défis extraordinaires. Exactly as the children of Israel. Exactement comme les enfants d'Israël. On their way to Canaan. Quand ils se rendaient à Canaan, they met strong men. Ils ont rencontré des hommes forts. The people that we saw in the promised land. They are strong. Les gens que nous avons rencontrés dans la terre promise sont forts. And they are huge. Et ils sont grands. And we've seen fortified cities. Et nous avons vu des villes fortifiées. And we saw also the Anakim there. Nous avons vu les descendants d'Anak là-bas. Likewise, you and me, as we are going to our promised land. Il en est de même pour vous et moi, pendant que nous nous rendons vers notre terre promise. Since their history is the prefiguration of what we are going through. De même que leur histoire est la préfiguration de ce que nous traversons. Beloved in the Lord, bien-aimés dans le Seigneur, we will meet strong opposition. Nous rencontrerons une opposition forte. Strong men. Des hommes forts. Strong situations. Des situations difficiles. And demonic situations. Et des situations démoniaques. Because the opposition will be stronger and extraordinarily hard. Et parce que l'opposition sera difficile et la situation, l'opposition sera difficile, we will need also extraordinary power. Nous aurons besoin d'une puissance extraordinaire to conquer. Pour conquérir the obstacles that we're gonna meet. Pour vaincre les obstacles que nous allons rencontrer. To an extraordinary opposition. À une opposition extraordinaire. We will need extraordinary power. Nous aurons besoin d'une puissance extraordinaire. And that power is the anointing. Et cette puissance, c'est l'onction. Because the anointing is the ability given to you by God. Parce que l'onction, c'est la capacité que Dieu te donne. That is a supernatural ability, qui est une capacité surnaturelle, that God will give you, que Dieu te donnera. Now you see, it's a supernatural ability, une capacité surnaturelle. You are facing natural situation. Vous faites face aux situations naturelles. That situation, if it's natural, si la situation est naturelle, now you have supernatural power, mais vous avez une puissance surnaturelle. To overcome, pour vaincre. That is the anointing. Ça c'est l'onction. Enablement of from God to you. Dieu vous donne la capacité. C'est Dieu lui-même qui vous donne qui renforce vos capacités. To reach your full potential. Pour atteindre vos potentiels. To reach your destiny. Pour atteindre votre destinée. Because God knew you. Parce que Dieu t'a connu. Before you were formed in your mother's womb. Avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère. And he has a purpose for you. Et il a fait un objectif avec toi. From your mother's womb. Depuis les ventres de ta mère. Jeremiah 1 chapter verse 5. Jérémie 1 5. You are somebody. Tu es quelqu'un. From the mother's womb. Depuis le ventre de ta mère. Now you need to become that what God intended you to be. Alors, to become, il faut que tu deviennes ce que Dieu avait prévu que tu deviennes. And to possess what God intended you to possess. Et que tu possèdes ce que Dieu avait prévu que tu possèdes. But on your way, mais sur le chemin, you'll face opposition. Tu feras face à l'opposition. Extraordinary opposition. Une opposition extraordinaire. And then you'll need an extraordinary power, which is the anointing. Et donc tu auras besoin d'une puissance extraordinaire qui est l'onction. Now we've seen that there are many level of anointing. Alors nous avons vu qu'il y a plusieurs degrés niveaux d'onction. Amen. Amen. That's why. C'est pourquoi in the book of Numbers chapter 27, Nombre 27, verse 18 to 21, 18 à 21, we saw that God, the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him, set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and inaugurate him
in their sight, and you shall give some of your authority to him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. Le Seigneur dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, en qui réside mon esprit. Tu poseras ta main sur lui, tu le présenteras au prêtre Élazar et à toute la communauté. Tu lui remettras ta charge sous leurs yeux. Tu lui donneras une partie de ton autorité pour que tous les Israélites lui obéissent. Amen. Amen. Now we see that Joshua had already anointing. Alors nous voyons que Josué avait déjà une onction. Because God said, choose Joshua. Parce que Dieu a dit, choisis Josué. A man in whom is the Spirit. Un homme à qui réside l'esprit. And we have seen that the Bible, every time it speaks about the Spirit, Spirit is associated with anointing. Et l'esprit est associé à l'onction. Now God said, take Joshua. Dieu dit, prends Josué. A man in whom is the Spirit. Un homme en qui réside l'esprit. A man in who has already anointing. Un homme qui a déjà l'onction. Amen. Amen. Now lay your hand upon him. Impose-lui tes mains. Give him. Donne-lui some of yours. Une partie de ce qui est à toi. Some of your authority. Une partie de ton autorité. Amen. Another version says, some of your glory. Une autre version dit une partie de ta gloire. Another version says, une autre version dit some of your dignity. Une partie de ta dignité. Everything here is about anointing. Toutes ces choses, c'est l'onction. Lay your hand upon him. Impose-lui la main. And give him some of your anointing. Et donne-lui une partie de ton onction. Joshua had already anointing. Quoique Josué avait déjà une onction. But his the entire anointing, the full anointing that he had, mais toute l'onction qu'il avait, could not enable him to possess Canaan. Ne pouvait pas le rendre capable de posséder Canaan. Because this was an extraordinary situation. Parce now. Que c'était une situation extraordinaire. This was an extraordinary situation. C'était une situation extraordinaire. He need to possess Canaan. Posséder Canaan. Every time you decide to take your Canaan. Chaque fois que tu décideras de prendre ton Canaan. Every time you want to, you decide to take your blessings. Chaque fois que tu décideras de prendre tes bénédictions. According to the promise of this book. Selon les promesses de ce livre. It might be your marriage, que ce soit ton mariage, or your prosperity, ou ta prospérité, or your healing, ou ta guérison. Whatever you want to go to another level, tu veux aller à un autre niveau, into your journey, dans ton voyage. A giant demon coming from the background you're coming from your family, un démon géant qui vient de ta famille, will arise before you, se levera devant toi, to stop you, pour te stopper. So that you may remain in that condition. Afin que tu restes dans la condition actuelle. Because that demon, parce que ce démon, was operating in your family from generation to generation. Opérait dans ta famille de génération en génération. How dare you to try to change the situation comment of that family? Comment oses-tu changer les statuts de ta famille? You'll meet extraordinary opposition. Tu rencontreras une opposition extraordinaire. And to that extraordinary opposition, et à cette opposition extraordinaire, you will need extraordinary power. Tu auras besoin d'une puissance extraordinaire. And that is called anointing. Et ça, c'est l'onction. Joshua had anointing. Mais Josué était déjà un. How do I know that? Comment est-ce que je le sais? To serve Moses in the wilderness. Pour servir Moïse dans le désert. He had anointing. Il a été un. He had victories in the wilderness. Il a eu des victoires dans le désert. He had anointing. Il avait l'onction. But his anointing, mais son onction, was enough for the victories in the wilderness. Ne suffisait que pour les victoires dans le désert. He was succeeding in everything he was doing. But in the wilderness, il réussissait dans tout ce qu'il faisait dans le désert.
His anointing, son onction, enabled him, l'a rendu capable, to go and visit Canaan, d'aller visiter Canaan, and to eat even some fruit of Canaan, et de manger même des fruits de Canaan, but to come back, mais de rentrer, to the wilderness, au désert. His anointing, son onction, was insufficient, était insuffisante, for him to possess Canaan, pour posséder Canaan, to visit. Visiter, yes, oui, and come back to the wilderness. Et de rentrer dans le désert. That's why some of us, c'est pourquoi certains d'entre nous, have tested, nous avons goûté, some fruits, certains fruits, of their Canaan, de notre Canaan, but they're back in the wilderness. Rentrer dans le désert. Not because they are sinning. Pas à cause du péché. Not because they are not praying. Pas à cause de manque de prière. Le problème, is that your level of anointing, c'est que ton niveau d'onction, is not enough, n'est pas assez, to enable you, pour te rendre capable, to face giant, à faire face au géant. Because you cannot face giant, tu ne peux pas faire face au géant, with a baby anointing, avec une onction baby, une onction de bébé. Some of us have an embryonic anointing. Certains d'entre nous ont une onction embryonique. But you're still facing giants. Mais vous avez des géants à faire face. Why? Pourquoi? Because the day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Le jour où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. You have received the Spirit. Vous avez reçu l'Esprit. You have received the Spirit. That means you have received anointing. Vous avez reçu l'esprit, donc une onction. But that anointing, mais cette onction, need to grow, doit grandir. Why? Pourquoi? Because your Christian life, ta vie chrétienne, is not static, n'est pas stagnante. Is growing. Elle doit croître. It has to grow. Elle doit croître. And while growing, et pendant qu'elle croît, you'll meet different situations. Tu vas rencontrer différentes situations, and different difficulties. Et différentes situation difficile. Now, maintenant, if you keep that anointing that you have received the day you have received Jesus Christ as si your Lord and Savior, ton onction que tu avais reçue le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, you won't face, you won't succeed in certain situation you're gonna meet. Tu ne réussiras pas devant certaines situations que tu rencontreras. Anointing need to grow. L'onction doit grandir. How does it grow? Comment est-ce qu'elle grandit? It will take work. Ça prend du travail. You need to work your anointing. Tu dois travailler à ton onction. And you need, how do you work? Comment est-ce que tu travailles à ton onction? Prayer. La prière. Discipline. La discipline. Fasting. Le jeûne. And reading the word of God. Méditer la parole de Dieu. And all the experiences you're meeting. Les expériences que tu vas rencontrer. And the difficulties and the challenges you're gonna meet. Les défis, les difficultés que tu rencontreras. Are making your anointing to grow. Vont faire croître ton onction. And that anointing, et cette onction, is growing. Elle grandit through the things you are going through. À travers les situations que tu traverses. But it will take years. Mais ça prend des années. For that anointing, pour que cette année, to go from just the anointing, part d'une onction embryonique, to become as we saw, et atteindre comme nous avons vu, dignity, la dignité, glory, la gloire. The anointing can become glory. L'onction peut devenir gloire. Beloved in the Lord, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, when his brethren met him, quand ses frères l'ont rencontré, in the land of Egypt, en Égypte, he told his brethren, il a dit à ses frères, go and tell my father, allez dire à mon père, so that he may come and see, afin qu'il vienne voir. What? Quoi? What? Qui viennent voir quoi? My glory. Ma gloire. But for him to see that glory, mais pour qu'il arrive à cette gloire là, he went through many things. Il a traversé beaucoup de choses. Genesis chapter 45 and verse 13. Genèse 45 et 13. Genesis chapter 45 and verse 13. Genèse 45 13. So you shall, this is Joseph speaking to his brothers. So you shall tell my father of all my glory in Egypt and all that you have seen, and you shall hurry and bring my father down here. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt.
That is his glory. Sa gloire. Amen. That is his anointing. Son onction. When his brethren, quand ses frères, came in the land of Egypt, sont venus en Égypte. He had gold. Il était paré d'or. On him, sur lui. Bodyguards, soldiers guarding him. Des gardes-corps, des soldats. He had a mansion. Il avait une villa. He had authority. Il avait l'autorité. And he told his brethren, il a dit à ses frères, go and tell my daddy, allez dire à papa, about let him come and see my glory. Qu'il vienne un peu voir ma gloire. That glory, cette gloire, didn't happen overnight. N'est pas arrivé du jour au lendemain. It took years. Ça a pris des années. He was working. Il a travaillé. When he was thrown in the pit. Quand il a été jeté dans la fosse. When his colorful mantle was taken. Quand son manteau a été pris. When he was sold to Potiphar's wife. Quand il a été vendu à Potiphar. When he was tempted and resisted the temptation by Mrs. Potiphar. Quand il a été tenté à résister à la tentation de Madame Potiphar. The anointing was growing. L'onction croissait. From glory de gloire to glory en gloire. When he was thrown in jail. Quand il a été jeté en prison. The anointing l'onction was growing. Grandissait. Now glory won't happen overnight. La gloire n'arrivera pas du jour au lendemain. Stop seeking for an overnight success. Arrêtez de chercher la réussite, le succès du jour au lendemain. People died, church are closed because some of us were seeking for overnight success. Il y a des gens qui sont morts, des églises qui ont fermé parce que les gens cherchaient le succès rapide. The anointing needs to mature. Mais l'onction doit atteindre la maturité. And it will take time. Et ça va prendre du it temps. Will take years. Ça prendra des années. But nevertheless, néanmoins, in your life, dans ta vie, you'll face some situation, il y aura des situations auxquelles tu feras face. For you to, from, God wants you to have now. Et Dieu voudra que tu possèdes maintenant. And what you are about to possess, et ce que tu t'apprêtes à posséder, your personal anointing, ton onction personnelle, is not able, ne pourra pas être capable. Because everyone has a personal anointing. Parce que tout le monde a une onction personnelle. I have mine. J'ai mon onction. You have yours. Tu as ton onction. Mine, mon onction, is different from yours. Elle est différente de la tienne. Because of the thing that I went through. À cause des choses que j'ai traversées. For many years. Pendant des années. And it was maturing. Et elle était en train de grandir. You didn't go through what I've been through. Tu n'as pas traversé ce que j'ai traversé. You went through some stuff. Tu as aussi traversé des situations. But not so as long time as I did. Mais pas aussi longtemps que moi. That means that there are different kind and levels of anointing. Donc il y a différents degrés, niveaux et genres d'onction. Joshua had anointing. Josué avait l'onction. His personal anointing. Son onction à lui personnel. But for the wilderness. Pour le désert. It was for the wilderness. C'était pour le désert. Victories in the wilderness. Des victoires dans le désert. Success in the wilderness. Des réussites dans le désert. He had enough anointing to go in Canaan. L'onction pour aller visiter Canaan. Just as a spy. Comme espion. And he ate the fruit. Manger les fruits de Canaan. He took even some of the fruit. Il a même pris des échantillons. But came back. Mais il est rentré. To the wilderness. Dans le désert. But now. Maintenant. It was time. Il était temps. For him to possess. De posséder. Now God knowing that it's time for him to possess. Dieu sachant que le temps est venu qu'il possède. Please Moses. Moïse s'il te plaît. Call the young man. Prends le jeune homme. Lay your hand upon him. Impose-lui la main. And give him some. Et donne-lui une partie. Some, not une, all of it. Pas toute ton onction, une partie. And Moses did so. Moïse l'a fait. And Moses went to conquer Jericho. Et Josué est allé conquérir Jericho. Jericho collapse. Jericho est tombé. Thanks to the laying of hand of Moses. Grâce à l'onction, l'imposition des mains de Moïse. The giant left their house. Les géants ont fui leur maison. They have business. Leurs affaires. They ran away. Ils ont fui from Moses, from Joshua. De Josué. Thanks to Moses laying the hand upon Joshua. Grâce à l'imposition des mains de Moïse sur Josué. When he went himself, quand il est allé seul, with his personal anointing, avec son onction personnelle, he came back to the wilderness. Il est rentré dans le désert.
Some of us are sitting here tonight. Certains sont assis ici ce soir. You have tasted to your canon. Tu as goûté ton canon. Some in dreams. Dans les rêves. Some through prophecies. À travers des prophéties. Some even like this physically. D'autres même physiquement. Now you have, so you're telling people stories. Maintenant tu racontes des histoires aux gens. No, I used to drive. Moi que vous voyez, j'ai conduit des voitures. Me, as you see me here. Moi que vous voyez là. Don't play with me, people. Ne blaguez pas avec moi. People used to respect me. Les gens me respectaient là. Moi que vous voyez là. If Joshua, si Josué, did it humble himself, ne s'était pas humilié, to kneel down, de s'agenouiller, before his father Moses, devant son père Moïse, who Moses never been in Canaan. Moïse lui n'a jamais été en Canaan. But it takes some humility. Mais ça prend de l'humilité. For you, pour toi, to accept somebody who never been when you've been, que tu acceptes where you've been, que quelqu'un qui n'a jamais été là où tu as été, to pray for you, de prier pour toi. It takes some humility. Ça prend de l'humilité. Because you'll tell him, tu lui diras, you'll tell people who does he think he is. Il se prend pour qui? I've been to Canaan. J'ai été à Canaan. Moi. I've seen giants. J'ai vu des géants. He was only in the wilderness. Mais lui, il était seulement ici. He was désert. In the wilderness. Il était dans le désert. But he has that oil you need. Mais il a l'huile dont tu as besoin. To break the yoke. Pour briser le joug. He has it. Il l'a. Some of us are stuck in their wilderness. Certains sont coincés dans le désert. Because they know too much. Parce qu'ils connaissent beaucoup. But yeah, oui. Because they know too much. Ils connaissent beaucoup. But knowledge alone, mais la connaissance à elle seule, gives just pride, donne l'orgueil. But humility, l'humilité, comes before promotion, vient avant la promotion. Humble yourself, humilie-toi, before your man of God, devant ton homme de Dieu, before your Moses, devant ton Moïse. He has something, il a quelque chose, that you need, dont tu auras besoin, to possess your Canaan, pour posséder ton Canaan. If Joshua did it humble himself, si Josué ne s'était pas humilié, he would be able to come and tell you, no, il pouvait dire stories. Ne jouez pas avec moi. Stories. Il racontait des histoires about Canaan. Sur Canaan. No, you know, I've been into Canaan. Non, moi j'ai vu Canaan. I ate the fruit of Canaan. On a mangé des fruits de Canaan. I drank milk and honey in Canaan. Des raisins gros comme ça, on a bu le lait et le miel. Those are stories. C'est des histoires. God doesn't want you to tell stories. Dieu ne veut pas que tu racontes des histoires. He said, "You shall be my witness. You shall testify." Vous serez mes témoins et vous témoignerez. Become a living testimony. Deviens un témoignage vivant. Of the glory of God. De la gloire de Dieu. God wants you to prosper and to succeed. Dieu veut que tu réussisses, que tu prospères. He wants so. Il le veut. So that people who see you, afin que les gens qui te voient, they will love God. Qu'ils aiment Dieu. They will want to have what you have. Qu'ils désirent avoir ce que tu as. They will envy you. Ils vont t'envier. And through that, et à travers ça, they will come to your God. Ils vont suivre ton Dieu. Attracted, attirés, but what they see God doing in your life. Parce qu'ils voient Dieu faire dans ta vie. You are the light of the world. You need to attract the people. Tu es la lumière du monde. Tu dois attirer les gens. Some of us, you cannot attract anyone. Il y a certaines personnes qui ne peuvent rien attirer personne. That is what, that is not pleasing God. Ça ne plaît pas à Dieu. You are the salt of the earth. Tu es le sel de la terre. And the light of the world. Et la lumière du monde. A city set on a mountain. Une ville bâtie sur la montagne. We don't light a light. A candle to put it on a basket. Vous n'allumez pas une bougie pour la mettre sous Jesus un buisson. Jesus said, "We light a lamp. We put it on a lampstand, and we put the lampstand on top of the table, so that it might shine, and so that everyone who's in the room may see it." Jésus dit, vous allumez la lampe, vous la placez sur un chandelier. Le chandelier, vous le placez sur la table pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce et que tout le monde puisse voir la lumière. It's about time. Il est temps. It's about time. Il est temps. You went to into your Canaan. Tu as vu, tu es allé dans ton Canaan. In your dream. Dans tes rêves. You saw yourself. Tu t'es vu. Bigger. Grand. And better.
glorieux. Then when you wake up, you know some people are sad in the morning. Il y a des gens qui se réveillent fâchés le matin. He said, il se réveille, il est you triste. You know why? Pourquoi? They saw things. Ils ont vu des choses dans les rêves. In their dreams. Dans les rêves. Stuff. Ils ont vu des choses. Beautiful. Des belles choses. They saw them in a higher level. Ils se sont vus dans un niveau élevé. And when they wake up, mais quand ils se réveillent, it's just the old you. Case de départ. C'est le même toi. The same broke person, the same loser guy, the fauché, same, même problème. You're the same nobody. Les dettes. And then you see somebody in the morning. Tu vois quelqu'un le matin? Said because he saw a chunk of moolah in the dream. Il se réveille le matin, il est triste. Pourquoi? Il a vu une malle d'argent dans les rêves. You saw money in the dream. Il a vu une malle pleine d'argent, des billets de dollars. Do you know that God can speak to you through your dreams? Dieu peut te parler par un rêve. He spoke to Moses. Il a parlé à Moïse. He spoke to Joseph. Il a parlé à Joseph. About in a dream. Dans un rêve. He spoke to you in a dream. Il t'a parlé dans les rêves. To show you who you are. Pour te montrer qui tu es. And then when you wake up. Et quand tu te réveilles, you want to cry. Tu as envie de pleurer. Because it's the opposite. Parce que c'est le contraire. Of what you have visited. De ce que tu as visité. In your dream. Dans tes rêves. God showed you. Dieu t'a montré. He showed you. Il t'a montré. Where he wants you to be. Là où il veut que tu sois. But with that embryonic anointing that you have. Mais avec ton onction embryonique là. You won't conquer your Canaan. Tu ne vas pas arriver dans ton Canaan. You need another level. Tu as besoin d'un autre niveau. A mature anointing. Une onction mature. That is why God said. C'est pourquoi Dieu dit. Take Joshua. Prends Josué. A man in whom he is the Spirit. Un homme en qui réside l'esprit. In other words, a man who has anointing. En d'autres termes, un homme qui a déjà. Lay l'onction. Your hand upon him. Impose-lui la main. And give him some. Et donne-lui une partie. Of yours. De ce que tu as. This means that the entire anointing of Joshua, ça veut dire toute l'onction de Josué, could not help him, ne pouvait pas l'aider. But some, mais une partie of Moses, de l'onction de Moïse, given to him, he went to conquer. Donné à Josué, il est allé conquérir. You are going somewhere. Tu vas quelque part. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. You shall know the truth. Vous connaîtrez la vérité. The truth shall set you free. Et la vérité vous affranchira. Different kind of and levels. Of anointing. Un autre niveau d'onction. In Jesus' mighty name, dans le nom puissant de Jésus, vous l'aurez. You'll have. Vous l'aurez. Because God sent his word and healed them. Parce que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Joshua had some victories, but in the wilderness. Il a remporté des victoires, mais dans le désert, Josué. When he beat that Gog, a king, il a battu un roi, Gog, in the wilderness. Dans le désert. Victory, but in the wilderness. Victoire dans le désert. He went to Canaan. Il est allé à Canaan. And come back to the wilderness. Il est rentré dans le désert. If Moses didn't lay his hand upon him, si Moïse ne lui avait pas imposé les mains, he could have died. Il pouvait mourir in the wilderness. Là, dans le désert. It takes years. Ça prend des années. For your anointing. Pour que ton onction to grow, to mature. Croise et arrive à maturité. But sometime, mais parfois, you need something now. Tu as besoin de quelque chose you need maintenant. Something this year. Tu as besoin de quelque chose enough cette année. Is enough. Tu en as assez. Now you need et tu auras besoin some of the anointing d'une partie de l'onction from your Moses. De ton Moïse. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. This is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. And this God said, I am the Lord. I never change. Et il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. The anointing, l'onction, is also honor. C'est aussi l'honneur. When you have anointing, quand tu as l'onction, that is honor. Tu as aussi l'honneur. In the book of Psalm chapter 145, Psaume 145, verse 4-5, 4 et 5, 4-5, one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty act. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works.
Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Amen. Amen. One generation, une génération, will praise, louera your works to another generation. Tes œuvres à l'autre génération. God is a God who works through, from generation to generation. Dieu est un Dieu qui travaille de génération, d'une génération à une autre. Amen. Amen. Now, Joshua was operating with his personal anointing. Maintenant, Josué opérait avec son onction personnelle. Not with the anointing that is coming from the previous generation. Mais pas avec l'onction qui vient de la génération précédente. One generation. Une génération will praise dira la louange your works de tes œuvres to another generation. À l'autre génération. I don't know if you understand. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? One generation, une génération will praise your works louera tes œuvres to another. À l'autre that génération. Means ça veut dire that generation needs to be connected. Les générations doivent être connectées. We are interconnected. Nous sommes interconnectés. I feel sorry. J'ai pitié. From people, young people say, we are the Joshua generation. Nous, des jeunes gens, nous sommes la génération Josué. Thinking that these people they are too old. Et ils pensent que non, ces vieillards, ils sont trop vieux. Mr. Augustin, vous dites de nous, non, bah, vieux, ah, non, bah, non, these old non, people. Bah, vieux. By these nous, old men. Nous appelez, bah, vieux, ah, eh? You called us these old people. Bisonde by Joshua. Joshua. Joshua generation, that's us. That's how they speak about us, old men. C'est vieux, là aussi. Ah, these old people, men. From one generation to another generation. D'une génération à une autre. Exode chapter 3, verse 15. Exode 3, 15. Beloved in the Lord. Bien-aimé. This is Moses. Là nous voyons Moïse. When God is sending him to go in the land of Egypt. Quand Dieu l'envoie en Égypte. And to tell the people, Pharaoh to let the people go. Pour dire à Pharaon de laisser aller son peuple. Now Moses is doubting. Moïse hésite. So when they ask me your name, what am I going to say to them? Quand ils vont me demander ton nom, quelle heure dirai-je? God said to Moses. Dieu dit à Moïse. Moreover, God said to Moses, this you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, not your God, the God of your fathers, and the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, pas votre Dieu, les dieux de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement et c'est ici le mémorial que vous aurez de moi dans toutes les générations. In all generations. Dans toutes les générations. This is my name. C'est ça mon nom. The God of Abraham. Dieu d'Abraham. The God of Isaac. Dieu d'Isaac. The God of Jacob. Dieu de Jacob. The God of Apostle Mike. Dieu de l'apôtre Mike. This is my name. C'est ça mon nom. In all generations. Pour toutes les générations. Forever. Pour toujours. Forever means until when? Jusqu'à quand? You can't single yourself out. Alors, tu ne peux pas te soustraire. You need to stay connected. Il faut rester connecté. Because the oil is coming. Parce que l'huile vient. From one generation d'une génération to the next generation à l'autre génération until to your generation jusqu'à ce qu'elle atteindra ta génération. You can't say I'm too young. Tu peux pas dire moi je suis jeune. You can't say I've been to Bible school. Moi j'ai été à l'école biblique. You can't say I know how to pray. Oh, je sais comment prier.
These people knew to pray. Ces gens savaient prier. Because they are the one who cried to the Lord. Parce que c'est eux qui avaient crié vers l'Éternel. Because God told Moses. Dieu a dit à Moïse. I've heard. J'ai entendu. The cry of my people. Les cris de mon peuple. He heard them. Il les a entendus. That means they know how to pray. Donc ils savaient prier. But their prayer. Mais leur prière. Didn't help them. Ne les a pas aidés. God had to send Moses. Dieu devait envoyer Moïse. Maybe you know how to pray. Peut-être tu sais comment prier. But you need also a Moses. Mais tu as aussi besoin de Moïse. No, I can pray. Non, nous tous nous savons prier. No, I know. Je sais. People, I know. Je sais, je connais. People who know too much. Des gens qui connaissent trop là. They are dangerous. Sont dangereux. You need to know that. Il faut le savoir. You know, there are some people who know better, more than the pastor. Il y a des gens qui connaissent plus que les pasteurs. Yeah. Oui. The pastor can preach and somebody can get out there and start correcting. Le pasteur après prêcher un that message. Place he was not supposed to say. Un frère vous tire après le culte dans les parkings. Vous voyez quand le pasteur avait dit ça, il a fait une erreur. Voilà ce qu'il devait dire. Let me show you. Attendez, je vais vous montrer un verset. He can show you. Il peut vous montrer. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. You know African people who were taken from Africa to be slaves like in America. Les Africains qui ont été pris pour être esclaves en Amérique. They suffer. Ils ont souffert. The first generation. Les premières générations. They suffer a lot. Ont beaucoup souffert. Shambok. Les fouets. They were naked. Ils étaient nus. No proper food. Il n'y avait pas de nourriture. No proper bed. Pas de lit. No proper accommodation. Pas de logement adéquat. No proper drinking water. Pas de l'eau potable. Now look at the from generations. Des générations. Of the first. Des premières générations. Slaves. Des esclaves. To another generation. À l'autre génération. To another generation. À l'autre génération. To the generation of black African American that you see today. Des générations des Africains américains que vous voyez aujourd'hui. They are alive. Ils sont leur vie. Is better. Est meilleur. Than the previous generation. Par rapport aux générations précédentes. Why? Pourquoi? Thanks to the suffering. À cause des souffrances. Of the previous generation. Des générations précédentes. Even the mentality. Même la mentalité. When they are born, quand ils sont nés, they are being born with another mentality. Ils naissent avec une autre mentalité. Not savage. Pas des sauvages. Like fathers. Pas des barbares. But why? Pourquoi? Because. Parce que. All the experiences. Les expériences. All the sufferings. La souffrance. Which they are. Previous generation knew des générations précédentes were recorded étaient enregistrées in their genes. Dans leur ADN. And when they are giving birth, et quand ils accouchent, kids, ils donnent naissance aux enfants. What they went through, à cause de ce qu'ils ont traversé, they are giving birth to people, ils donnent naissance à des gens who are better than themselves, qui sont mieux qu'eux, because they are transmitting, parce qu'ils transmettaient. Through the lessons, à travers les leçons, all the lessons that they've learned, qu'ils ont appris, through what they've been through, à travers leurs souffrances, was engraved or recorded in their genes. C'était enregistré dans leurs gènes. So it is. Il en est de même. Your spiritual father, ton père spirituel, when he's laying his hand upon quand you, il t'impose la main, is conveying to you, il est en train de te transmettre, all the lessons, les leçons. And the suffering les souffrances that he's been through, qu'il a apprises, engraved, recorded, enregistrées in his spiritual genes, dans ses gènes spirituels, the maturity, la maturité, in his genes, dans ses gènes, is giving to il you, te les transmet, just by laying his hand en imposant la main. That's why don't despise. C'est pourquoi ne méprisez pas. The anointing, l'onction of the previous generation, de la génération précédente. They have something, ils avaient quelque chose, which is recorded, qui était enregistré, experiences, l'expérience, lessons, les leçons, challenges, les défis, sufferings, la souffrance, engraved, enregistrée, in their spiritual
genes or ADN. Dans leur gène spirituel. Dans leur ADN spirituel. DNA. Amen. Amen. Spiritual DNA. De leur ADN spirituel. And when they lay their hand upon you, t'imposent la main, they are giving you something. Ils te donnent quelque chose. Stronger. Plus fort, and more powerful, plus puissant than what you have. Que ce que tu as. That's why, c'est pourquoi God said Moses, Dieu dit à Moïse, comme ils sont, lay your hand upon him. Impose-lui la main. Give him some. Donne-lui of biloko. Un peu de tes choses. Pour que petit akota. So that the young man may go in. Oh yeah, yeah, go go tate. With his own, he won't manage. Give him just a little bit. Parce que Dieu le connaissait. Because God knew him. Dieu connaissait ce que Moïse avait. God knew what Moses had. Il connaissait ce que Josué avait. And he knew what Joshua had. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. You'll have to work. Il faudra travailler. It takes discipline. Ça prend de la discipline. And humility. L'humilité. And some submission. Et la soumission. To the previous generation. À la génération précédente. And you need to want. Et il faut désirer. What the previous generation is. Ce que la génération précédente a. Someone was asking me, why we hear about these people, the fathers, that they had the airplane, they have this in America, we hear, and now it seems like we are struggling. Et pourquoi on apprend que nos pères dans la foi, aux États-Unis là-bas, ils avaient des avions, des jets privés, mais on dirait maintenant nous sommes en train de souffrir. I went through stuff. Ils ont traversé des choses. They matured the anointing. Et leur onction for many a atteint years. La maturité pendant des années. There is a saying that you say, you see my glory, but you don't know my story. Tu vois ma gloire, mais tu ignores mon histoire. You just see my glory. Tu ne peux pas voir ma gloire. You see my glory. Tu vois ma gloire. But you don't know my story. Mais tu ne connais pas mon histoire. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. God is good. Dieu est bon. I have a lot to tell you, but time is very short. J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. When you are growing in your anointing, you'll discover things. Quand tu es en train de grandir dans ton onction, tu vas découvrir des choses. Sometimes you discover things you have but not knowing that you have. Parfois tu vas découvrir des choses que tu avais sans le savoir. Like on the day when in front of the Red Sea, devant la mer Rouge, people are crying and they want to stone Moses. Les gens sont en train de pleurer et ils veulent lapider Moïse. And Moses also starts crying to God. Moïse aussi commence à pleurer devant Dieu. And God said, Moses, Dieu dit, Moïse, why are you crying to me? Pourquoi tu pleures devant moi? What do you have in your hand? Qu'as-tu entre tes mains? What do you have in your hand? Qu'as-tu entre tes mains? In other words, autrement dit, you have something. Tu as quelque chose. Why are you crying to me? Pourquoi tu pleures devant moi? What do you have in your hand? Qu'as-tu entre tes mains? And Moses said, just a rod. Moïse dit, j'ai un bâton. And God said, so what? Et Dieu dit, alors? Lift up your hand with that rod. Lève ta main avec ce bâton. He had it. Il l'avait. God told Moses, Dieu a dit à Moïse, I will make your hand, je ferai de ta main, my hand, ma main. Beloved in the Lord. Bien-aimé, you need to know something. Sachez quelque chose. When God wants to do something for his people, quand Dieu veut faire quelque chose pour son peuple, he will choose a person, il choisira une personne. And he will bless him. Il bénira cette He'll personne. Anoint him. Il oindra cette personne. And
for that person, et pour que cette personne to become a source devienne une source of blessing de bénédiction to others, à d'autres. Are you with me? Est-ce que nous sommes ensemble? When God blessed Abraham, quand Dieu a béni Abraham, he told him, il a dit à Abraham, you'll become a source, tu seras une source of blessings de bénédiction to others, pour d'autres. Now your spiritual father, ton père spirituel, is not just a father, n'est pas juste un père, he's a source, c'est une source. He's a source. C'est une source. Don't just see him as a father, ne vois pas seulement un père, see him also as a source, vois-le comme une source. Now when you know that this is a source, quand tu sais que c'est une source, behave, faut bien se comporter. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You don't throw dirt in a source. Vous ne jetez pas de la saleté dans une source. Coming from far. Certains d'entre nous viennent de loin. I respect your time. Je respecte votre temps. Amen. Amen.